précédemment dans QDD. L'équipe Fagnon s'est imposée en match amical 3 buts à 2 contre Saint-Paul-en-Jarret, un match qu'ils ont gagné sur le fil. Aujourd'hui, c'est deux matchs qui vous attendent dans QDD, un match pour l'équipe 2 et un match pour l'équipe 1. Vous verrez, vous ne serez pas déçus et beaucoup de surprises vous attendent dans cette vidéo. Accrochez-vous! Yo, bienvenue à tous dans ce deuxième épisode de QDD. Donc là, on est en voiture, en direction de la route du stade. Donc pour aujourd'hui, il y aura, c'est un QDD hors série, je dirais, parce qu'il y aura deux matchs amicaux. Tous les matchs du week-end ont été annulés en raison des conditions climatiques glaciales qui se sont abattues sur la Loire. Donc là, on se prépare pour deux matchs amicaux, pour la 1 et pour la 2. Et là, aujourd'hui, je vous prends sous mon aile, je vous emmène avec moi pour des petits trucs exclusifs, des interviews. On va bien s'amuser, vous verrez. Et évidemment, je suis à la bourre. Hein. J'ai 10 minutes de retard, je me suis trompé sur l'heure de la convoque. Là, c'est un match amical contre DP. Les gars. Pépé qui joue en D3, l'année dernière c'était à deux doigts de monter en D2, donc ça va te faire un bel exercice aujourd'hui. Ce que je veux aujourd'hui, je m'en fous totalement du résultat. Par contre, ce que je veux, c'est de l'application. La reprise va être dans deux semaines. Vous savez qu'on a à peu près 32 joueurs par week-end, de montrer aussi, c'est le moment de vous montrer à chacun. Ceux qui sont en une comme en deux. On est d'accord là-dessus? Les entraînements, je suis fier de vous, continuez comme ça, il y a de la présence. Et ça, ça commence bien pour une reprise de saison. Donc bravo à vous les gars, mais il faut continuer là-dessus. Ensuite, on a des objectifs cette année. Pour la 2, c'est la montée. Et encore mieux, être champion. Pour ça, il faut une belle préparation. Il faut de la vigueur, il faut de la concentration, il faut un mental. Rien n'est fait encore cette saison, on est tous d'accord là-dessus. Si on sent qu'il gagne, on passe deuxième. Derrière, il y a Bouin qui nous colle au cul. Donc du coup, les gars, toute la saison, on n'est pas champion et on n'est pas encore monté. Là-dessus, je veux bien que vous le mettiez dans vos têtes. Il n'y a rien qui est fait encore. Préparez-vous bien aujourd'hui. L'épée, on sait très bien que c'est très technique, donc jetez-vous pas, conservez la balle, faites-les courir, et ils vont lâcher tout seul. Début, on va commencer avec Todd Paul en défense centrale, Bat, Pierre sur les côtés, vous êtes arrière, Pierre et Bat, montez pas trop, on est d'accord là-dessus? Co, tu sais ce que t'as à faire en 6, Yanis et Nix, montez pas tous les deux, s'il y en a un qui monte, Nix ou Yanis, il y en a un qui revient avec Co. Ça va. Et si Co monte, il y en a un qui redescend. D'accord là-dessus. Ok. Max, Adri, pareil, vous revenez défendre, vous aidez vos arrières. Et Ben, je pense que je vais pas dire ce que t'as à faire. D'accord là-dessus. Yo les gars, on se retrouve donc juste avant l'échauffement. Là, on va partir s'échauffer avec tout le monde est parti sauf moi du coup là. Et donc pour l'échauffement du match de l'équipe 2 qui va être à midi et demi, je vais essayer de vous filmer des petites images par-ci par-là si je peux parce que j'ai personne pour filmer. Et j'ai une GoPro que je vais essayer d'installer pour le match de la 1. Vous verrez si ça pop au milieu. On verra comment je vais essayer de caler ça, mais voilà. Je vous emmène avec moi, je vais faire le maximum et bise. On est sur le banc de touche avec mon Max là. Qu'est-ce que t'as pensé de ce mi-temps, mon Max là? Petit retour sur, les retours au terrain, ta performance, qu'est-ce que t'en penses? Bah ouais, ça va, mal au gibol par contre. Oh là là. Malade toute la semaine donc zéro entraînement, mais assez content, petite passe décisive pour une fois. On gonfle les stats. Gros saute du coup devant nous là à l'instant. Arrange les pieds, quoi. Non, mais en vrai, ça va. Contre une D3, on fait pas un mauvais match. Mais trop d'erreurs, je pense. Mais bon, 3-3 pour l'instant. Donc, non, prometteur pour la suite de la saison, je pense. Les gars, attends, mais viens aussi, Six. Bon, on est en sortie du match de l'équipe 2, là. Donc, on est sur un match nul 4-4 contre Clépé Poncin. Donc, là, c'est les que vous voyez derrière moi. L'équipe 1 qui est partie à l'échauffement pour son match amical. Donc une performance aujourd'hui plutôt moyenne, voilà. On sort juste du match, là ça vient d'être fini. Je fais un petit arbitrage, honnêtement. Mon point de vue, c'est que... Qu'est-ce que t'as pensé du match? C'était un très bon match. 4-4. T'en as pensé quoi, ça, du match? Il y a eu 4-4, c'est magnifique. Ouais, ça, on va le voir. Jouez-vous, les deux équipes. Ça, on va le voir où? Sur mon YouTube, je partagerai sur le petit but de la tête. Samy, il a mis un but de la tête. Ouais, je suis avec Samy aussi, il a mis un petit but de la tête, en vrai, machin là. On va le voir maintenant. Écoutez, là, on se retrouve... Après le match de l'équipe 2, match terminé, là le match de la 1 vient juste d'attaquer à l'instant là. Donc c'est un match qui va les opposer au club de Chambéry-Magneux qui joue en district 1, un niveau au-dessus. Donc on a un dispositif exceptionnel aujourd'hui pour la vidéo puisqu'on a installé également une GoPro et on va vous filmer des images, voilà. A tout de suite.
là, on va aller rendre une petite visite à Aurélien. El grande magnifico là, parce que attention. Ah, il est là. On se retrouve avec Aurélien. Est-ce qu'on peut rapidement débriefer de cette occasion là? Qu'est-ce qui s'est passé devant la cage? Qu'est-ce que t'en as pensé là? Je sais pas. Il est trop marqué du jeu. Tu te voyais déjà buteur? Ouais. Bah, c'est pas... ça arrivera plus tard. Hein. Ok. Hein. Prochaine fois. Hein. Bah, le coach, je te l'ai dit plusieurs fois. T'as l'occasion de marquer sous caméra, tu marques toujours, donc j'ai confiance en toi, moi. Et à l'instant, là, t'es parti en interview sur le banc de touche, mais il y a. Chambéon vient d'égaliser à deux partout là. On menait là, c'est pas terrible, là, franchement. Aïe 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 aïe. D'un côté, on revient, on prend l'axe et tout de suite, l'axe, après, on cherche dans le couloir opposé. Chaque fois qu'on a fait ça, droite, gauche, on a des situations de but. Et souvent, c'est moi qui enclenche le centre. Hein, Lulu? Hein, Corentin? Enfin, quand je dis enclencher, mettez de la vitesse, gardez l'avantage qu'on a pris par le déséquilibre pour finir devant le but. Voilà. Okay. Voilà, un peu plus de mouvement parce que monte le bloc. Une fois que le bloc est monté, là, l'espace il est restreint. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on doit faire? Un peu de jeu long. Un peu de jeu long. Est-ce qu'on en a fait beaucoup de jeu long? Alors, Toto, qu'est-ce qu'on a pensé de cette première? Écoute, c'est pas trop mal pour un match de préparation. C'est on prépare, non, je sais pas. Tu t'es fait allumer un peu, non, en première? En vrai, tu t'es fait boiter, hein? Bah, gros, c'est là sur le côté, je prends dans l'axe. Après, mais il voulait prendre le ballon, mais ça m'a tapé au-dessus, c'est pas grave. C'est pas grave. Encore en plein milieu de la pelouse, là, avec Simon, qu'est-ce que t'as pensé de cette première, Simon? Ta performance, la performance des autres, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, écoute, j'ai pas joué beaucoup, j'ai juste joué les 15 dernières. Donc, qu'est-ce que j'en pense? C'est une équipe pas trop mal. Techniquement, ils sont pas mauvais. Un bon collectif, et puis on a essayé, on a tenté des choses. Et le loupé d'Oral, qu'est-ce qu'on a pensé? Catastrophique. En même temps, on était sûr à le rebond juste avant, c'était dur. Mais bon, on va tout faire pour revenir en deuxième, et puis voilà. Merci le boss. Allez, merci. Bon, Joël. Bonjour, Jojo. Si tu devais dire un mot sur le loupé d'Oral, tu dirais quoi? Magnifique. Magnifique? Ah, magnifique. À son image? Ah, pas son image, non, quand même, parce qu'il nous a mis des beaux buts, quand même. Non, mais c'est notre Aurel, hein, on sait comment il est. Il peut être très bon comme il peut être moyen. Là, il a été moyen, parce qu'il pouvait le mettre gentiment. La précipitation, quoi. Bah, ouais, magnifique. Mais non, Aurel, c'est Aurel. Oui, Toto. Oh, Jamel. Voilà. Rien du tout. J'aime bien. Oh,
Allez, bon, on se retrouve avec Eric pour le petit mot de la fin. On passe 6 à une D1, plutôt satisfait, non? Oui, alors le résultat est une chose, mais c'est surtout la manière qui m'intéressait. On a fait plutôt un bon match dans l'ensemble, même si on a fait tourner un peu l'effectif. Bon, je pense qu'eux n'étaient pas vraiment complets, ils sont venus avec une équipe et demie, donc il ne faut pas se servir du résultat comme élément de satisfaction. Mais okay. Bon, au niveau dans le jeu, les intentions, il y avait quelques petits détails à régler, mais globalement, on est dans la montée en puissance pour cette deuxième partie de saison. Donc c'est plutôt on continue bien, dans la bonne lignée du match de coupe, ça a plutôt bien joué aujourd'hui. Je parle personnellement d'un point de vue extérieur, c'était plutôt bien. Oui, il y a les intentions sur là. Après, il manque toujours, bien sûr, les petits réglages, mais on est plutôt sur la bonne voie et ça laisse augurer de bonnes choses pour la suite, j'espère. Eh ben, parfait. Eh ben, au prochain match du championnat, alors. Sans problème. C'est une fin de journée au stade Montplaisir. Voilà, donc avec un match nul pour l'équipe 2, une victoire pour l'équipe 1. En match amical, malgré les matchs officiels qui ont été annulés, c'est une après-midi très positive. J'espère que ça vous aura plu de suivre ces petites aventures avec nous. Donc c'était un QDD qui, ma foi, était différent puisqu'il n'y avait pas de vrai match. On va appeler ça un hors-série d'une certaine manière. Mais moi, j'ai apprécié le faire encore une fois. J'espère que vous avez apprécié suivre ça. Vous avez apprécié également les nouveautés que j'ai essayé d'apporter dans les vidéos. Et puis voilà, donc je vous embrasse. Je vous dis à la semaine prochaine ou dans 2 semaines en fonction. Et puis continuez de suivre, abonnez-vous, likez, partagez. Je vous embrasse. Ciao, ciao.